Les Studio Series ont été lancés en 2018 avec deux promesses représenter les personnages des films Transformers en figurines et respecter l'échelle entre eux. Dès la première vague, l'idée d'échelle est partie en courant à cause de Greenlock et Joe Extinction, mais pour les autres, c'est pas trop mal, même aujourd'hui. Il ne faut juste pas avoir le nez collé à une charte pour vérifier s'il manque un ou deux millimètres sur un robot par rapport à un autre, et je trouve que ça passe pas trop mal en général. Et la deuxième promesse, qui parlait des films, a été plutôt bien respectée. Lorsque les personnages Bevers et Bumblebee se sont raréfiés, on a eu les 86, qui reprennent les films G1 pour rajouter aux possibilités. Puis on a la nouvelle gamme de Studio Series. Le nom de la gamme ne correspond plus ici qu'aux studios de cinéma, mais aussi aux studios de jeux, ce qui nous permet d'avoir une nouvelle sous-gamme intitulée Gamer Edition, pour le plus grand plaisir de tous les joueurs de la communauté. Et cette sous-gamme reprend les personnages de War for Cybertron et Fall of Cybertron, les deux jeux de High Moon Studio, qui comptent parmi les meilleurs jeux Transformers d'après les connaisseurs. Ouais, c'est un peu ça. Mais c'est pas parce que j'ai un avis différent, c'est juste que j'ai pas spécialement l'habitude de jouer. Et j'ai jamais vraiment fait le tour d'horizon de tout ce qui existait en jeu Transformers. Mais c'est pas la question. La première vague de Series Gamer consiste en un Voyager Optimus, un Deluxe Barricade et un Deluxe Bumblebee, tous les trois sur leur design de War for Cybertron. Optimus avait déjà une figurine bien plus complexe et plus petite il y a plus de 10 ans, et Bumblebee avait eu une version plus grande en Deluxe la même année, mais c'est la première fois qu'on voit Barricade en jouer Bon, il est plein de défauts et loin d'être bon en robot, mais c'est toujours pas le sujet. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Bumblebee. Oui, j'ai acheté Bumblebee dans une gamme dont je ne prendrai que peu de sorties. C'est étonnant, mais j'ai mes raisons, en plus d'une promo assez intéressante qu'il faisait à une vingtaine d'euros sur Amazon. Comme d'habitude, je commence par le mode alternatif de Bumblebee. C'est un petit véhicule cybertronien qui reprend ce qu'on voit dans le jeu, avec une forme très ronde qui colle bien à l'idée qu'on se fait du personnage. J'aime beaucoup l'esthétique avec les détails noirs et rouges qui complémentent un beau jaune profond qui tire sur du doré. La majorité des pièces externes de Bumblebee sont d'une très belle teinte, un plastique légèrement pailleté qui rend si bien. Il n'y a que peu d'applications de jaune, et la différence obligatoire de teinte entre le plastique et la peinture est assez minime à mes yeux. Le mode alternatif est fermé de partout, mais présente quand même quelques défauts. Déjà, la vitre arrière n'est pas peinte en noir, ce qui est dommage. On a bien les feux arrière, ce qui est déjà pas mal, mais il manque quand même une assez grande surface sur la pièce arrière. Ensuite, l'autre défaut est qu'on voit les séparations des pièces. C'est tout à fait normal, puisque cette fois-ci le mode alternatif n'est pas un ensemble de trois pièces, comme la dernière fois. Mais surtout je dois avoir un problème pour le transformer. Les épaules sont trop épaisses pour rentrer plus que ça dans la voiture, et ça fait qu'elles ont du mal à se clipser. C'est vraiment dommage. Mais même après quelques manipulations et transformations pour bien comprendre comment il fonctionnait, j'ai pas réussi tout de suite à améliorer ce point, et même en prenant les photos, en fait. Donc je le signale ici, en espérant avoir rectifié le point en commentaire après une découverte utile quant à ce détail. Dans tous les cas, Bumblebee reste un très beau véhicule. Il roule plutôt bien dès lors qu'on arrive à le rendre plat et à aligner les quatre roues ensemble. Mais en considérant le peu d'espace entre son châssis et le sol, c'est déjà impressionnant d'arriver à faire rouler ne serait-ce que trois roues en même temps. Et c'est pas que c'est compliqué à faire, il roule vachement bien, c'est juste que l'alignement parfois peut être un peu bancal. Bumblebee n'est pas le plus petit des Deluxe, mais justifie encore plus son prix grâce à quelques accessoires. J'aurais peut-être aimé un peu de peinture sur la lame de l'épée, mais elle est déjà assez jolie comme ça. Et pour les deux autres armes, il s'agit là aussi d'armes du jeu, un pistolet à Energon et un canon à plasma. C'est toujours une bonne chose d'avoir autant d'accessoires avec un de luxe et en plus, il s'intègre au mode alternatif. L'épée ou le pistolet peut se ranger sous la voiture, avec seulement l'un des deux à la fois. Et les deux restants peuvent aller sur le toit ou à l'arrière, avec pas moins de 5 ports au total, qu'on ne peut pas tous utiliser en même temps. Et les comparaisons en mode alternatif me permettent de discuter de mon utilité pour Bumblebee. J'ai jamais vraiment joué au jeu, seulement un peu de War for Cybertron sur DS et Fall of Cybertron sur PC. Donc même si j'aime bien les designs, c'est pas forcément en tant que Bumblebee War for Cybertron que je voulais l'utiliser en priorité, mais sa taille m'a fait reconsidérer le choix. Alors bien sûr, il n'est pas dans la même esthétique que les Studio Series Bumblebee Cybertronien ni les géants Cybertroniens comme Origins Jazz et je voulais le mettre avec eux. Mais en plus, il est bien trop grand pour aller avec eux, rien que dans ce mode. Regardez à côté des Bumblebee Cocksinel Netflix et Studio Series. Vous voyez qu'il est déjà beaucoup plus massif que les deux autres. Et ça sera pire en robot. Et justement, au mode robot, on va pouvoir y arriver dès maintenant. La transformation est un peu frustrante au début à cause de mouvements assez imprévus, mais qui restent bien pensés dans la globalité. Je déplore quand même un manque de place pour quelques étapes, notamment les épaules qui n'ont pas toujours la place de passer, et le capot qui est difficile à remonter vers le mode alternatif au début. Mais la formation des pieds est une étape que j'aime bien, tout comme la fermeture des avant-bras avec les poignets qui enferment les roues. En fait, le capot est presque impossible à remonter ou à baisser tant qu'on n'a pas coupé le peg résiduel qu'il a au bout. Dans mon cas, il s'est cassé à cause de la force à appliquer dessus pour le faire passer. Mais je conseille de le couper avec un cutter en faisant attention ou même de le l'imer. Lorsqu'il n'est pas là, ça facilite beaucoup les manipulations. Et ça enlève une seule frustration dans une transformation déjà difficile à prendre en main. En tout cas, ça reste une transformation qui fonctionne dans l'idée, mais dont la réalisation est un peu plus bancale. Je l'ai depuis moins d'une semaine, mais je l'ai quand même manipulé assez souvent pour vous proposer une review la plus complète possible. Mais malgré ça, il reste un peu trop complexe par moments. Par contre, je trouve que le mode robot rattrape pas mal ses problèmes de manipulation. Bumblebee est une belle représentation de son modèle du jeu, sans les énormes pièces de keyboard du jeu original, ni les faux phares sur le torse. J'aime beaucoup l'aspect de ce robot, et les couleurs aident beaucoup. Ce plastique un peu brillant me plaît beaucoup plus que ce que j'aurais pensé. C'est une teinte qui passe bien, même s'il semble être un peu plus clair dans les modèles du jeu. Sa tête est superbe, bien sûr, elle reprend exactement le modèle, et j'adore la peinture bleu clair des yeux qui les font bien ressortir. C'est une très bonne touche. Pour les bras, j'ai déjà parlé des épaules un peu problématiques pendant la transformation, mais ça reste joli et correct par rapport à la référence. Et j'aime assez les avant bras pour parler encore une fois des roues qui finissent complètement entourées par d'autres pièces. Elles sont bien intégrées, et le fait qu'elles ne prennent qu'une partie de la voiture tout en laissant les phares en place est une excellente chose. Alors oui, on pourra reprocher la différence avec le jaune peint de la pièce du poignet, mais juste pour l'idée de design et sa réalisation, je suis largement prêt à le laisser passer. Ensuite, on pourrait aussi reprocher la longueur du torse. On a bien le kibble au bon endroit et la compression de l'avant pour améliorer les proportions, mais ça fait un peu long et surtout ça fait creux. Sur les côtés, on peut voir que le corps est un peu vide. Mais encore une fois, je trouve ça compréhensible. Alors oui, on a de la place dans la voiture qui aurait peut-être pu accueillir des panneaux pour fermer le corps, mais je trouve que la transformation est déjà assez frustrante pour ne pas avoir rajouté encore des pièces. Et de toute façon, je trouve que le budget de luxe est déjà respecté. S'ils pouvaient pas peindre l'arrière de la voiture, ils auraient pas pu ajouter des panneaux entiers pour fermer le torse. Ensuite, les jambes sont longues et très propres. Les roues prennent peut-être trop peu de place dans les chevilles, mais on a déjà les bonnes pièces au bon endroit, donc là encore, j'irai pas me plaindre. C'est pas non plus le niveau d'imperfection de barricade de la même gamme. Et les jambes longues et fines donnent les proportions iconiques de ce Bumblebee. Un torse imposant et rond et des bras assez épais, le tout sur de longues échasses agiles. Et pour le dos enfin, on a bien l'arrière de la voiture. Là encore, une petite compression aurait pas été de trop, mais je trouve que ça va pour un Deluxe. Au moins on n'a pas le kibble des deux Optimus, Deluxe et Voyager, qui cachent un symbole Autobot moulé dans le dos. Parlant encore de son dos, c'est là où il peut ranger les armes, même si c'est imparfait par rapport au jeu, où les armes sont formées par le bras et n'ont donc pas besoin d'être rangées. Mais justement, puisque les armes du jeu sont les avant-bras des robots, les designers ont eu la bonne idée de faire enlever l'avant-bras pour y mettre les armes. Bon, sauf l'épée qui se met bien sûr dans sa main. Les armes sont donc sur port 5 mm qui leur permettent de s'attacher juste après le coup de droit de Bumblebee et lui donner une arme intégrée, ce que j'aime beaucoup. Et encore mieux, les armes à feu sont compatibles avec les effets de tir. Encore une fois, ça manque un peu de couleur, mais c'est pour pouvoir les donner à n'importe qui. Grâce à ce système, les armes sont faites pour être interchangeables et pour recréer les configurations que les joueurs préfèrent dans le jeu. Et parlant de configuration, on peut donner pas mal de bonnes poses à Bumblebee grâce à ses articulations. La tête est très expressive grâce à un ball joint très libre, ce qui est tellement mieux qu'un simple axe ou un ball joint limité à tourner dans une seule direction. Ses épaules sont sur ball joint et les pièces de keyball par-dessus tournent pour la transformation, mais je trouve que ça laisse un peu limité ici. Il faut arriver à jouer avec le keyball pour que chaque angle passe au bon endroit et ça n'aide pas à lui faire prendre des poses simplement. Alors il peut être assez dynamique, mais c'est compliqué à manipuler par rapport à beaucoup de figurines sans trop de tibol à ce niveau-là. Ensuite, les coudes plient bien, dans les deux sens, et les poignées ne tournent pas. On pourrait croire que l'avant-bras droit, pour pouvoir se détacher sur le peg 5 mm, tourne en dessous du coude, mais le peg est spécifique et empêche ce mouvement. C'est un peu dommage, mais ça aurait rajouté seulement une articulation asymétrique. Le bassin tourne, mais les hanches peuvent taper assez vite dans le torse. C'est pas trop grave, on a quand même une assez bonne amplitude telle quelle. Ayant justement son elles aussi sur ball joint, un type d'articulation encore très présent en studio series, mais quasiment absent des generations de style G1 plus grand que décor classe. Ce que j'aime beaucoup dans les articulations de ces jambes, c'est les trous dans les cuisses qui permettent aux genoux de plier très loin sans que le keyball ne gêne. C'est simple mais c'est si bien pensé, et pour une fois, effectivement, ça fait économiser du plastique et ça permet des articulations. Et juste en dessous, les chevilles ne sont pas articulées. Enfin, on peut les bouger vers l'extérieur sur Axe de Transformation jusqu'à casser le design, mais ça reste une articulation obligatoire qui n'est pas ajoutée ici, ou alors à son minimum. Et je trouve que ça jure beaucoup avec les standards actuels, même si la transformation rendait déjà son ajout difficile. Mais même avec ses limitations, je le trouve bien. Il n'est pas forcément à la hauteur niveau articulation d'autres Deluxe hors Studio Series, mais ça reste une figurine assez bien articulée. Et les accessoires aident pas mal pour le mettre dans plusieurs bonnes mises en scène. En tout cas, j'aime beaucoup l'avoir en main. Et en ce qui concerne les comparaisons, Bumblebee est plus grand que les autres Bumblebee qu'on connaît. Mais il faut dire que les personnages de War for Cybertron et Fall of Cybertron ont en général des tailles plus proches entre eux, sans les écarts énormes qu'on connaît dans la G1 par exemple. C'est la seule chose qui peut me déranger pour mon utilisation de Bumblebee parmi les G1 ou même parmi les Bumblebee Movies. Mais ça m'empêche pas de beaucoup aimer ce qu'il donne et d'apprécier sa qualité et son design. Donc je ne peux pas l'utiliser comme Bumblebee Cybertronien dans ces deux univers, sans qu'il soit au moins aussi grand qu'une voiture normale, ce qu'il n'est pas. Dans tous les cas, je reste très positif quant à la figurine. Alors oui, j'ai mes problèmes avec lui, mais je le trouve très beau. Bizarrement, le jaune si particulier a beaucoup joué pour que je l'aime. Mais j'aimais déjà le design avant de l'avoir, et c'est bien pour ça que j'ai commandé. Donc au final, je le recommande. Même sans grand attachement pour le média d'origine, je me trouve à adorer ce Bumblebee. Un achat que je ne regrette pas. Il est dynamique et amusant, et son mode alternatif est très mignon et bien fait. Quand je vois les premières figurines des Studio Series War for Cybertron, je me dis que je peux être optimiste. Alors bien sûr, Barricade est un raté sur de nombreux points, mais Optimus m'a plu quand j'ai manipulé celui de KG, et ce Bumblebee est également bien réussi à mes yeux. Pour les autres, je vois du bon et du moins bon, donc on verra s'il continue dans la qualité ou s'il tombe dans les mêmes travers que beaucoup de Studio Series Bevers. Et je n'ai donc plus rien à ajouter sur Bumblebee. Ils commencent bien les Studio Series Gamer Edition, et j'attends de voir à quoi ressembleront leurs seekers pour pouvoir peut-être en avoir un trio d'une façon ou d'une autre. En tout cas, ça me donne envie de m'intéresser plus à la gamme, et j'espère vous avoir donné envie également, malgré mes nombreuses plaintes quant à cette transformation. En tout cas, j'espère surtout que la review vous aura plu. J'attends vos retours en commentaire et je vous attends également sur l'arche sur Discord pour discuter autour de la franchise. Faites également un tour sur Tipeee si vous voulez me soutenir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Ida Fanfang, Fanfanchure fin fin salut